Maurice Auvet, c'est un architecte qui est né dans le Var, qui a grandi en Ardèche et qui a principalement exercé et construit dans le Var et dans le sud de la France. Sa particularité, c'est qu'il est complètement imprégné du Japon et que c'est en allant au Japon avec sa femme qu'il a eu les contacts avec Junzo Sakakura, qui est un élève de Le Corbusier, et qu'il a pu travailler avec Nishizawa. Nishizawa, c'était un grand spécialiste de l'architecture traditionnelle, même s'ils avaient une pratique moderne, pour le coup, dans les années, du coup, début des années 60. Lui, c'était un grand passionné, un grand spécialiste des espaces traditionnels japonais, bouddhistes, zen, et il a initié Maurice Auvet à tout ça, et ça l'a complètement, Maurice Auvet, bouleversé. Parce que ces espaces intérieurs-extérieurs en relation avec la nature, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré dans son enseignement et qui du coup ont déclenché une vraie révélation architecturale au niveau de sa conception en fait. Le côté japonisant, il n'est pas forcément dans le style, il est surtout dans l'espace en fait, dans les sensations. C'est vraiment une architecture de sensations en fait. C'est pour ça que l'exposition s'appelle « Ouvrir les sens » parce qu'on est dans une recherche de sensations un petit peu universelles. C'est aussi comme ça qu'on arrive à faire ce pont entre la Méditerranée et le Japon, justement. Alors là, on entre dans l'exposition. Quand on entre dans l'exposition, on passe sous ce portail en bois qui s'appelle Tori. C'est un portail japonais qui signifie qu'on entre quelque part. Et on commence l'exposition en montrant une photo du Japon pour pouvoir ensuite établir les liens que Maurice Auvet a fait avec l'architecture japonaise. Et le mélange qui existe qu'il a réussi à faire entre l'architecture du Sud et l'architecture du Japon. Dans cette photo, on voit, on est dans un temple. On est à l'intérieur, mais on a l'impression d'être dans une terrasse, sur une terrasse, intérieure-extérieure, puisqu'il n'y a pas de mur. Toutes les parois ont été enlevées. Dans cette première partie de l'exposition, nous exposons les 8 principes de l'architecture naturelle. Ces principes, comme je vous l'ai dit au début, ce sont des principes qu'il a élaborés au fil du temps, dans ses rencontres avec la phénoménologie et avec la tradition japonaise, justement. C'est des principes qui sont fixés aujourd'hui par rapport à ses ressentis qu'il a ramenés du Japon. Dans cette cabine, en fait, il y a une vidéo dans laquelle on peut visiter sa maison. Parce que c'est la maison, la première maison d'architecture naturelle qui lui a permis de poser dans la matière ses principes, ses sensations qu'il avait eues au Japon. Donc ces 8 principes, ils sont tous articulés autour d'un principe général qu'il appelle le parcours. Le parcours qu'on va voir ici. Le parcours, c'est le chemin, concrètement, à partir duquel on pose sa voiture et ensuite on entre dans la maison jusqu'au séjour, ou jusqu'à sa chambre, ou jusqu'à sa cuisine. Ce parcours, il est composé comme un labyrinthe, parce qu'on va ménager des effets de surprise pour que l'effet justement d'ouverture sur le paysage qu'on a vu avec l'architecture japonaise soit le plus fort possible, le plus puissant possible à la fin du labyrinthe. Le principe numéro 2, c'est la perte de repère. La perte de repère, c'est exactement ce qui se passe et ce qu'on recherche dans un labyrinthe, justement. La perte de repère, ça permet de changer de temporalité à partir du moment où on pose sa voiture et après quand on rentre dans sa maison. C'est-à-dire qu'on va travailler le rythme de déambulation pour que, justement, on soit dans un autre temps, un autre monde, une fois qu'on est entré dans la maison. Justement, la perte de repère met en condition pour être en état d'éveil, puisqu'on va être beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure. Le principe numéro 3, c'est l'action corporelle. C'est par l'espace comment on va arriver à mettre le corps en condition d'éveil, justement. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le tori à l'entrée de l'exposition et les rideaux. Quand on est caressé par ces rideaux, en fait, inconsciemment, on met le corps dans un état d'attention, en fait. Dans l'architecture, Maurice Auvet, l'action corporelle, il la travaille par les pentes des sols, par exemple. C'est des maisons, souvent, dans lesquelles on descend. On doit descendre quelques marches. On doit s'enfoncer pour arriver à sa chambre ou à son séjour. D'ailleurs, il le dit, il préfère qu'on descende dans les maisons plutôt qu'on y monte.
c'est pour ça qu'en général, l'arrivée des voitures se fait au-dessus de la maison et qu'après, à pied, on descend et on s'enfonce dedans. Le principe numéro 4, c'est le cadrage des vues. Le cadrage des vues, c'est la surprise au bout du labyrinthe. C'est l'apothéose du cheminement, au final. C'est ce qu'on a vu avec la maison japonaise, c'est-à-dire que c'est le moment où on va cadrer le paysage et où on va offrir à la contemplation la meilleure vue sur ce qui entoure la maison. Le cadrage des vues, ça sert aussi à cacher des éléments du paysage qui sont pas forcément très esthétique, on va dire. Par exemple, un chemin de fer, des poteaux électriques. Le cadrage des vues, ça va être avec le toit, les murs et le sol, choisir la vue qui va être la plus belle et la composer comme un tableau. Et ce qu'on voit ici dans cette photo, on a dans cette chambre un beau cadrage sur la montagne et puis la baie de la Ciotat. Le principe numéro 5, c'est le dedans-dehors. Le dedans-dehors, c'est vraiment un principe qu'il a ramené du Japon. Et c'est cette façon d'être connecté en permanence avec la nature. Le dedans-dehors, il se fabrique entre la nature dont on fait partie et la maison qui nous protège. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la maison japonaise, c'est que c'est pas parce que la maison protège qu'elle doit nous enfermer. Donc on va travailler justement la vie entre la nature et la maison protectrice. Maurice Sauzet, il travaille l'entre-dedans et dehors, l'entre. Alors, principe numéro 6, c'est les contre-espaces. Le contre-espace, c'est un pendant du dedans-dehors, puisque quand on est toujours dedans et dehors, il faut pallier à justement cette absence de frontières. En fait, véritablement, le contre-espace, c'est l'espace extérieur qui est dessiné en même temps que la pièce qui le prolonge à l'intérieur. Comme on voit dans les dessins, une salle de bain ou une chambre, ça a besoin d'intimité. Donc le contre-espace, ça va être un jardin encerclé d'un mur qui va protéger de la vue de l'extérieur. Ces espaces-là, en général, sont accessibles que depuis l'intérieur de la maison pour pas que quelqu'un arrive à l'improviste, justement, devant la baie vitrée. Le principe 7, les transparences et vues voilées, c'est ce qu'on a essayé de recréer dans cette exposition avec un cheminement créé par des claustras. Les claustras, c'est un détail architectural qui vient du Japon et qui permet de voir à moitié. Voir à moitié, ça permet de préserver le mystère, par exemple, dans le labyrinthe. Ça permet de préserver le mystère et en même temps d'attiser la curiosité. Quand on voit à moitié, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, donc on va poursuivre le cheminement pour aller découvrir les espaces qui nous sont à moitié révélés par les claustras. Maurice Sauzet arrive à dilater l'espace en faisant croire que les vues sont données sur plusieurs jardins, alors que c'est des vues qui sont toutes centrées sur le même jardin, montrées à moitié. Le principe numéro 8, c'est l'effacement des limites. Et là, c'est dans le détail architectural, le détail constructif. Comment on va créer ce dedans-dehors ? Maurice Sauzet, au fur et à mesure de sa carrière, il a développé toute une série de dispositifs architecturaux dans le détail de construction, en fait. Effacer la limite, ça permet le dedans-dehors. Ça permet justement d'être en contact permanent avec la nature, ce qui est le but justement des espaces de l'architecture naturelle. L'effacement des limites, c'est le détail architectural qui permet d'effacer le mur, de l'ouvrir sans avoir de frontière à franchir entre l'intérieur et l'extérieur. La limite, c'est justement la limite hors d'air, la première limite, qui permet d'être protégé du froid, qui est souvent vitrée pour laisser passer la vue. La deuxième limite, c'est la limite du toit, sous lequel on est protégé. Et la dernière limite, c'est le bout du sol qui nous protège de la terre et de l'humidité.